Afin de mettre à jour votre inventaire sur votre logiciel, plusieurs choses sont à faire. La première chose, allez sur votre ordinateur et créez deux lots de situations. Un lot de situation théorique et un lot de situation réelle. Venez avec votre téléphone dans votre exploitation. Allez dans lot de situation. Dans lot de situation, mettez la date du jour. Choisissez un lot de situation de destination. Dans ce lot de destination, vous mettez lot théorique. Dans ce lot théorique, vous mettez liste et sur cette liste, vous mettez l'ensemble des animaux qui sont présents dans ces listes. Vous mettez OK. Vous mettez tout sélectionné. Ça veut dire que du coup, toute cette liste va partir dans le lot théorique. Une fois que toute cette liste est dans le lot théorique, vous mettez OK et vous mettez retour. Vous reprenez l'autre situation. Vous allez cette fois-ci non pas mettre l'autre situation, l'autre théorique, vous mettez l'eau réelle. Et là-dessus, vous mettez maintenant votre bâton de lecture en route et vous bipez l'ensemble des animaux que vous avez devant vous. Cette lecture avec le bâton peut être problématique sur deux choses. La première, c'est la médaille manquante. Pensez bien à la saisir manuellement. Et une médaille défectueuse où il faudra aussi la lister, la saisir manuellement. Une fois que vous avez fait ces opérations, vous avez deux lots. Un lot qui est le lot réel où l'ensemble de vos animaux sont bien présents dedans. Et le lot théorique qui sont des animaux qui ne sont plus présents sur votre exploitation mais toujours présents dans votre logiciel. Avant la fin de l'année, pensez bien à sortir l'ensemble de ces animaux et de les sortir ou parce qu'il y a eu une vente, ou parce qu'il y a eu des morts, ou des bêtes qui ne sont pas redescendues de montagne.